Bonjour et soyez tous les bienvenus à ce magazine de Midi d'Afrique. Je suis heureuse d'être avec vous en ce jour, et bien c'est mercredi. Et qui dit mercredi dit le pasteur Boabilé juste dans notre rubrique rectificatif, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements. Et ce, en tant qu'enfant de Dieu, tenez-vous bien, aujourd'hui nous parlons d'un thème aussi très 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 important, nous parlons du secours. Et pour finir, on sera avec nos invités de la DCM afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Et voilà, voici ainsi déballer le menu de ce magazine de ce jour. On va souffler en musique et on reviendra tout de suite avec notre consultant de ce jour. Bien installé, je l'espère. Et comme je l'ai dit, tous les mercredis, c'est l'affaire du pasteur Boabilé Juste. Il est là pour nous enseigner la parole à travers notre rubrique rectificatif. Et aujourd'hui, nous parlons du secours de l'Éternel. Et bien, comment jouir de ce secours-là, n'est-ce pas, papa? Bonjour. Effectivement. Bonjour, Béné. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Alors, pourquoi ce thème? Effectivement, Béné, ce sous-thème, parce que nous constatons ces derniers temps que beaucoup de personnes passent par des difficultés et on ne sait à quel saint se vouer, mais n'oublions pas que nous avons dans le ciel un Père, nous avons un Dieu qui répond à nos sollicitations. Ce Dieu-là qui a toujours une alternative pour ses enfants. Donc nous ne devons pas désespérer. Et j'ai comme ça sélectionné un texte, le psaume 91, qui est bien connu de plusieurs personnes. Le psaume 91 qui est un psaume de délivrance, et je vais tout de suite emboîter le pas à la lecture. C'est un texte que tout le monde devrait, disons, étudier, connaître, étudier. Celui qui
Et celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, exactement. Celui qui fait ça. Mais nous allons, il y a trois choses. Il y a une chose qui va attirer notre attention. Quand nous regardons les trois derniers tests, il y a quelque chose de très puissant que nous pouvons tirer de là-bas. Il dit, Dieu dit sept choses dans ces trois derniers, c'est-à-dire, quand je dis les trois derniers, je prends à partir du verset 14, verset 14, 15 et 16. Dieu dit des choses importantes et Dieu promet à Moïse dans ce texte-là de faire sept choses qui seront pour lui une sorte d'assurance. Et la première chose, il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Mais avant, au verset 14, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Dieu dit, il va délivrer Moïse et le peuple d'Israël. Vous voyez, chers téléspectateurs, et à toi, Béné, si nous voulons être délivrés de quelque chose, quel que soit la chose dans laquelle nous sommes, quels que soient les liens, quelle que soit la teneur de cette chose-là, nous devons pouvoir compter sur Dieu. Que cette chose ait été extérieure ou bien intérieure, nous devons faire compter sur Dieu. Nous devons compter sur une autre source, une source plus élevée que ce que nous avons. Parce que souvent, il y a des gens qui veulent d'eux-mêmes sortir d'une situation. Non, ce n'est pas possible. La source que nous avons en nous, c'est-à-dire en tant qu'être humain, ne suffirait pas pour nous délivrer d'un lien ténébreux ou alors d'une situation ténébreuse. Il faut une source plus élevée que ce que nous avons dans notre vie et plus élevée que ce que nous vivons pour être délivrés. Donc, Moïse dit, et Dieu dit à Moïse, je te délivrerai. Donc, nous ne devons pas compter sur nos propres sources, nos propres ressources, mais nous devons nous en remettre à l'Éternel. Et nous parviendrons, bien sûr, avec la force que Dieu nous donnera à sortir de ce labyrinthe-là. Donc ça, c'est une chose que Dieu a dit à Moïse. Et ensuite, il a dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Dieu veut que nous l'invoquions quand nous sommes dans la détresse. Parce qu'il y en a qui n'invoquent pas Dieu. Ils se plaignent, ils murmurent. Dieu dit de crier à lui. Et comment faire la différence entre les plaintes et les appels? Et je ne saisis pas bien la question. Comment faire la différence? Les plaintes. Les plaintes et les appels. Ah, les plaintes et les appels. Ben, en fait, on peut se plaindre de quelque chose devant Dieu. Ah Seigneur, pourquoi? Mais c'est la suite qui va déterminer disons, la teneur de cette plainte-là. Mais si tu te plains pour te plaindre, tu te plains parce que tu penses que Dieu ne t'écoute pas, parce que tu penses que Dieu ne te voit pas, là, il y a problème. Mais il faut crier à Dieu, se plaindre à Dieu. Dis Seigneur, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Il dit de l'invoquer. Je sais que c'est toi seul qui peut me sortir de ce labyrinthe-là, de ce cachot-là. Je compte sur toi. C'est toi que j'invoque. Je crie à toi. Toi seul dois m'entendre. Aucune autre oreille ne doit m'entendre que toi, tes oreilles. C'est à toi que j'écris. Donc, Dieu a dit, je lui réponds. Quand il va m'invoquer, je vais lui répondre. Il va tendre des oreilles attentives. Ses oreilles ne seront pas sourdes aux appels de ceux qui puissent compter sur lui. Donc, c'est une façon de... C'est une confiance totale qu'on doit mettre dans le Seigneur. Quel que soit ce qu'on vit, même si on a le dos au mur, il faut crier à l'Éternel. J'ai dit bien crier, invoquer Dieu. Ce n'est pas Seigneur mon Dieu, mon roi. Non, 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 non. Il faut l'invoquer précisément. Lui dire ce dont on souffre, ce dans quoi nous sommes. Et le lui dire. Vous voyez, la prière, c'est comme un tribunal. C'est-à-dire, nous allons dans une cour. Dieu est le juste juge. Donc, nous venons plaider un cas. Donc, nous devons avoir les éléments de notre défense. Parce que si tu viens que tu n'as pas d'éléments, tu n'as rien à dire à Dieu, l'accusation te sera donnée. C'est clair. Mais si tu as des éléments, Seigneur, voici, à telle période, voilà, j'ai donné de l'argent à tel. Et putain, il a promis de me remettre mon argent, me rembourser. Il n'a pas remis. Mais à telle date, il devait me remettre mon argent. Je n'ai pas pu scolariser mes enfants. Seigneur, toi-même, lève-toi et sois juge entre lui et moi. Voilà, c'est comme dans une cour et Dieu va trancher. Ça, c'est clair. Mais est-ce que nous devrions intimer des ordres à Dieu? Ce n'est pas des ordres à Dieu. Non, pas d'ordre à Dieu. Mais c'est notre Père. Hein? Ce qui de droit nous revient, nous devons revendiquer ça auprès de lui. C'est lui-même qui nous a donné ça. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Il va disposer une oreille attentive à ce que nous allons lui dire. Regardez, par exemple, quand vous allez dans le psaume 13, le psaume 13, David disait quelque chose. Il dit, pourquoi tu laisses mes ennemis me frapper? Tu fais que mes ennemis vont se rire de moi. Dieu, c'est comme s'il disait à Dieu, tu n'es pas bien. Tu laisses mes ennemis me frapper. Il s'est plaint jusqu'à maintenant. À un certain moment, il s'est arrêté. Il dit, et pourtant, je mets ma confiance en toi. Qui lui a dit ça? Il sait qui est Dieu.
Ça dit, il s'est plaint, mais il sait qui est Dieu. Il sait que Dieu est celui-là qui pourvoit nos besoins. Dieu est celui-là qui, quelle que soit la situation, selon la disposition, bonne disposition de notre cœur, viendra au secours de notre situation. D'accord. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va retenir à propos de... Et la troisième chose, il dit, je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Que les gens, que personne ne s'imagine que seul, il peut sortir d'une situation difficile. Ce n'est pas possible. Ils vont me dire, mais je connais celui-là qui a fait ça. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Peut-être qu'au début, tu vas réussir, mais la fin, ça va être difficile, peut-être. C'est pourquoi il faut souvent associer Dieu à nos affaires. Il faut associer Dieu à notre santé. C'est-à-dire, le fait d'être en bonne santé, nous devons compter sur la grâce de Dieu. Parce que seuls, nous ne pouvons pas sortir d'une situation donnée. Ça, que personne ne s'imagine ça. Il faut toujours le secours de Dieu. C'est pourquoi il dit, je serai moi-même avec lui dans la détresse. Quelle que soit la nature de la détresse, Dieu sera toujours avec nous. Il nous soutiendra. Donc, d'accord. Pour conclure, je dirais que, vous voyez, c'est un psaume, vraiment, on n'a pas le temps de le décortiquer, surtout les trois derniers versets, qui sont des versets essentiels que nous devrions étudier quand nous sommes dans la détresse, aller dedans en détail par détail, et ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien dans ces temps difficiles que nous traversons. Et je conseille à plusieurs de le faire ainsi, d'aller plus loin que moi je ne suis allé. Moi, je n'ai pas le temps, mais quand vous le ferez, vous verrez, Dieu, le secourable, viendra vers vous et vous sortira de ce trou sans fond. Et voilà qui est très bien dit. Désormais, vous savez quoi faire lorsque vous êtes dans un labyrinthe, lorsque vous avez le dos au mur, comme le pasteur l'a si bien signifié. Vous n'avez qu'à appeler l'Éternel, l'invoquer pour que vous puissiez avoir la solution appropriée à votre problème. N'est-ce pas, papa? C'est ça. D'accord. On va aller en musique et on reviendra pour Espacenos. Alléluia, Jésus. Il s'est laissé accuser d'innocent qu'il était. Il s'est laissé humilier sur le chemin de la croix. Il s'est laissé la gelée de fils de Dieu qu'il est. Il s'est laissé crucifié de saint des saints, roi des rois qu'il est. Je rends gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Je rends gloire. Je rends gloire. Gloire à l'agneau. Je rends gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Je rends gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Il s'est laissé inhumer de Dieu vivant qu'il est. Il est descendu aux enfers, de saint des saints qu'il est. Il est remonté de l'enfer avec toi et avec moi. Il a triomphé de la mort. Toute la gloire, Jésus.
Bassano à présent et nous sommes avec le prophète Berthé. Il est là pour présenter l'album de la révérende Jeanne Monnet. Eh bien, il est là pour nous présenter cet album, comme je l'ai dit. Bonjour, prophète. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, nous avons un nouveau bébé de notre révérende. Effectivement, depuis donc, d'abord, salut à tous les téléspectateurs de la chaîne Béni TV. Dit qu'effectivement, depuis le 5 juillet passé, la révérende Jeanne Monnet a mis sur pied un opus, n'est-ce pas, de 8 titres. C'est l'album Contemplation First Step. Et là, nous sommes là pour annoncer que le samedi prochain, samedi 1er septembre, nous aurons le concert dédicace du côté de la Riviera Hôtel Bellecote. Un événement à ne pas rater. Événement grandissime. La présence de Dieu est sur le point de localiser, n'est-ce pas, la vie de quelqu'un. Et c'est pour ce samedi, ma très chère Bénédicte. D'accord. Donc, ce sera pour ce samedi. Et qu'est-ce qu'on aura au programme de ce concert-là? Alors, dis déjà que c'est un concert. Donc, un concert, ça sous-entend des artistes qui vont faire la première partie. Des artistes de renom, n'est-ce pas, sont en train d'associer leur image à cet événement pour, n'est-ce pas, garder la surprise. On ne va pas, n'est-ce pas, dévoiler leur nom, mais promettre, n'est-ce pas, au peuple de Dieu qui se déplacera que, avant tout, c'est une servante de Dieu, c'est une prédicatrice. La révérende Jeanne Monnet, nous la connaissons, n'est-ce pas, sous, n'est-ce pas, la casquette de prédicatrice. Mais pour cette fois-ci, c'est l'adoratrice qui viendra nous faire du bien, viendra nous introduire dans la présence de Dieu. Vous savez que notre Dieu est un Dieu qui siège dans la louange et l'adoration. Et bien, malheureusement, aujourd'hui, il est rare de constater que le peuple de Dieu a commencé à se défamiliariser avec l'adoration. La révérende Jeanne Monnet viendra, n'est-ce pas, ce samedi 1er septembre à partir de 16h, nous introduit dans la présence de Dieu avec un temps fort, puissant d'adoration. Oui. Alors, rappelez que les tickets pour ce concert délicat sont à 10 000 francs CFA. Nous avons encore quelques tickets à notre disposition. Courez rapidement prendre vos tickets et vous pouvez justement les avoir au numéro 03 84 95 95 03 84 95 95. Concert dédicace, album Contemplation de la révérende Jeanne Monnet. C'est pour ce samedi 1er septembre du côté de l'hôtel Bellecote. Ça sera un événement grandissime, extraordinaire, où la présence de Dieu à Cossu va nous faire du bien. D'accord, on va donner les contacts pour finir. 03 84 95 95 07 44 13 62. C'est pour ce samedi, nous sommes à jour J-3 de cet événement qui va à coup sûr visiter et faire du bien au peuple de Dieu. D'accord. Merci beaucoup, prophète Berthé, qui était là pour annoncer ce concert dédicace de l'album Contemplation. Ok, Contemplation, voilà, de la révérende Jeanne Monnet. Jeanne Monnet. Les contacts pour avoir de plus amples informations, le 03 84 95 95 et le 07 44 13 62. Nous allons permettre à un autre annonceur de s'installer maintenant. Le frère Réuel Guillaume du Centre évangélique Ebenezer est sur notre plateau. Et avec lui, nous parlons de cette conférence internationale de victoire. Bonjour, frère Réuel. Bonjour. Comment à vous. Ça va? Je vais bien par la grâce okay. du Seigneur. Ok, alors c'est quoi cette conférence internationale de victoire? Alors, la conférence internationale de victoire est un temps d'enseignement. Un temps où le Seigneur permet que son peuple soit enseigné autour d'un thème bien précis. Et c'est un temps de manifestation de la présence du Seigneur également. Donc, le lieu se transforme en un vaste centre de formation de tous les enfants de Dieu et également de tous les serviteurs de Dieu. Mmh, d'accord. Donc, cela va consister à quoi exactement? Alors, ce sera d'abord des plénières où des hommes de Dieu bien choisis viendront pour apporter ce que le Seigneur leur met à cœur pendant une semaine. Donc, 7 jours pendant lesquels ils pourront apporter ce qu'ils doivent apporter. Et puis, nous aurons des ateliers où des enseignements sont apportés également, mais où le peuple de Dieu, ou quand cela concerne également les serviteurs de Dieu, ont l'occasion de poser des questions pour savoir un peu plus ou pour aller en eau profonde avec le Seigneur. Donc, c'est deux types d'enseignements, plénière et atelier, tout le temps, pour que nous soyons réellement enseignés. D'accord. Et cela va se tenir quand? Cela se tient du lundi 3 au dimanche 9 septembre à l'hôtel Rebot. D'accord. C'est situé où? L'hôtel Rebot est situé à la Riviera Faya,
sur la rue de Benjaville, juste après l'école Jules Verne, au Lyrée 15. Mmh. Donc, c'est là que nous serons tout le temps pour que nous puissions apprendre auprès du Seigneur. Donc, quand vous arrivez à Faya, après le feu de Faya, vous avez un prochain feu, qui est le feu, on dit généralement Nouveau Goudron ou Abata. Et après cela, vous avez le carrefour Panneau Orange. Des véhicules seront là pour vous amener jusqu'à l'hôtel Rebot, le lieu où la conférence aura lieu. D'accord. On va donner les contacts pour avoir de plus amples informations. Alors, avant de donner le contact, je voudrais dire que tout est fin prêt. Tout est fin prêt pour cette civile-là. Il y a une seule chose que nous devons finaliser, c'est que vous puissiez vous déplacer. C'est absolument gratuit. Nous sommes en train de finaliser pour les délégations du Gabon, du Burkina, du Ghana. Et si vous êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, que vous voulez bien venir, faites-nous signe au numéro de téléphone que nous allons donner tout à l'heure pour que nous puissions apprêter tout ce qui est hébergement, tout ce qui est vol. Si vous avez besoin de quelque chose qui vous permet de vous déplacer, nous pourrons vous aider à participer réellement à cette CIVI-là. Et les orateurs qui seront là, ce sont des personnes qui seront capables de nous enseigner autour du thème « Opérer dans le surnaturel divin ». Nous aurons Eastwood Anaba qui vient du Ghana. Nous aurons notre père à tous, l'apôtre Gadi Abraham, l'apôtre Zacharia Détola, qu'on connaît tous, l'apôtre Bangoré Dominique, et nous avons l'apôtre Emmanuel Kemtore. D'accord. Tout cela pour que nous soyons nourris, enseignés avec la manifestation puissante du Saint-Esprit. Pour nous, il faut simplement appeler au 77 90 90 77, j'ai dit 77 90 90 77. Si vous avez oublié ce numéro, vous n'avez qu'à faire le 01 64 64 61. 01 64 64 61. C'est du 3 au 9 septembre à l'hôtel Rebot à l'arrivée à Faya sur la route de Benjaville. Merci frère Ruel Guillaume qui était là au nom du Centre évangélique Ebenezer pour annoncer cette conférence internationale de victoire qui aura lieu du 3 au dimanche 9 septembre 2018. Les contacts le 77 90 90 77 et le 01 2 x 64 61. Et c'est ici qu'on va mettre un point final à cette émission. J'étais très heureuse de vous la présenter. Rendez-vous demain avec Just Les Blessings pour un nouveau numéro de ce magazine. Quant à moi, on se dit à la semaine prochaine. www.bedic.tv, tel est notre site internet. Que Dieu vous bénisse et bon appétit si vous êtes à table.